Oh la vache. Qu'est-ce qu'on est des fesses. Mon dieu. J'ai l'impression qu'on lui a une petite branche, c'est le festival des jardins. Le château en plein centre, les grandes écuries au milieu. Le parc zen en forme de cœur ou d'escargot en fonction de comment on se place. Moi, j'ai l'impression qu'on est vachement triste. Regarde les maisons comment elles sont toutes. Oui. Les bateaux, j'en vois. Maintenant, pourquoi ça ne va pas être chauffeur. Le monsieur, il peut envoyer la petite de mon gîte. Alors, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Sur mon téléphone, j'ai un traceur. Ah, voilà. À tout moment, le ballon envoie sa position, son altitude et sa direction sur Internet. Et le chauffeur, il va sur Internet et il me suit tout simplement. D'accord, avec un truc comme air trafic ou je sais pas quoi. Regardez si c'est valable. J'ai mis un peu de reflet. On recommence sinon. Et puis pour le reste, encore plus. Les montgolfières, la plupart sont monopilotes. C'est pas le pilote, c'est un pilote, un chauffeur. Et ça suffit en sécurité. Nous, on passe un médical de classe. Hein. Il y a le passe même médical qui a un chauffeur à décoller. L'avantage de regarder les modèles c'est que vous voyez, lui il montait très très haut, ça serait très à gauche. Alors que nous, en descendant un petit peu, on va se faire très à droite. C'est pour ça qu'à l'heure, ils sont descendus pour corriger leur trajectoire. La modèle n'est jamais en ligne droite, elle fait toujours du zigzag. Un coup on monte, un coup on descend. Ah oui, il est complètement restauré. Ouais, parce que Souchon aussi, je crois. Il y en a 3 ou 4 des châteaux sur la propriété, quand on va l'approcher. Paco, petit bon. Paco, do you copy? Yes, we copy. If you want to go to the castle of Fougère, you can climb up and meet Richard up there, okay? Les 3 bouteilles uniformément, d'accord, de façon à ne pas faire varier ma qualité de pilotage. Imaginez, vous avez 3 réservoirs dans votre voiture. Il y a un réservoir qui est plein, qui est à moitié et un qui est pratiquement vide. La pression du réservoir va dépendre de la qualité de l'accélération que vous allez avoir. Celui qui est plein, vous allez accélérer comme ça. Celui qui est à moitié vide, vous allez accélérer en voiture normale. Et celui qui est pratiquement à moitié vide, pas de chaud. Et bien là, c'est le principe. Tant que j'ai des bouteilles qui sont égales, la flamme va s'en faire pareil dans les 3. Si jamais j'ai une bouteille qui se vide, la pression va diminuer à l'intérieur. Et du fait qu'elle va diminuer, j'aurai une flamme plus petite. Et donc je vais être beaucoup plus chauffé. Alors que là, au fur et à mesure qu'on va utiliser le gaz, le poids va diminuer. Donc je vais compenser en ayant une flamme un petit peu plus petite par rapport au départ. Alors, 2 AOC, ils font de la crème, du beurre, tout avec du lait de chèvre. Et là, c'est la nurserie et ils ont plusieurs endroits où ils vendent du chèvre. Il le PO. Et on viendra les chercher là pour le 31. Ils ont de paix. Voilà, c'est pas mal.
Nous, par exemple, en France, on n'a pas de fabricant de montgolfières, alors qu'on est vraiment le pays de la montgolfière. Il y en a deux qui font aller 6 montgolfières à deux par an. Ces fabricants-là en Espagne, ça fait 25 par an, 400 à 500 par an. En Angleterre, il y a pareil. Pourquoi ? Nous, on n'est pas capable de faire des fleurs, on peut faire des fleurs. Et donc là on est en appellation Cheverny, parce qu'on est sur le 41. Toute la ligne que vous voyez ici, là. Là à droite c'est du Gris-Touraine, et là c'est du Cheverny. Alors pourquoi? Parce que le Gris-Touraine il est sur le 37, et le Cheverny c'est sur le 41. Le Cheverny il est juste en face de nous. La grande ville devant nous là-bas c'est autre. Mal aussi, mais c'est dommage, ils ont rajouté des bâtiments dans la foulée sur la gauche pour pouvoir faire des classes pour l'école, et c'est un peu dénaturé le château. C'est un peu dommage, c'est alors qu'il était super bien compact, il faisait un petit peu Cheverny, Moulinsart au départ. Et Pilatus, que j'ai fait plus dans la vie, c'est le Pilatus, c'est l'avion qui sert à larguer les parachutistes. Oui, c'est les avions turbines. Par exemple, j'ai habité Saumur pendant très longtemps, et à Saumur, je larguais à 3500 mètres et j'étais posé avant les parachutistes. C'est un avion, vous pouvez le mettre en piqué. Bah, ils sont pas rapides, la police. Hein. Quand tu approches du ballon de Paco, tu fais attention, il y a une voiture blanche qui s'en approche, là, qui rentre dans le terrain. Ah. Non, c'est souvent des cultivateurs qui viennent.